Bonjour tout le monde, bonjour à tous, ici Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers. Voilà, je voudrais juste parler d'une affaire là que j'ai remarqué là à Brico Dépôt. Sur la nationale, il y a un chauffeur de bus, retiens la date d'aujourd'hui toi, non c'était un camion. Tu te reconnaîtras, tu me reconnaîtras aussi, si tu regardes ma vidéo, dis-toi bien que la date d'aujourd'hui retient bien. Tu comprendras pourquoi. Ok? Mais voyez-vous, tout ça parce que je m'habille en noir, j'ai mes lunettes noires, il y a un petit peu de soleil. Enfin, bon, le soleil c'est plutôt la caméra entre nous, de surveillance mondiale. Holographique. Et du fait que je suis habillé en noir, le gars, il est scotché, il me parle de loin, dans son travers sa fenêtre qui est à moitié ouverte, hein, en entendant, parce que c'est le feu rouge, ouais, il me parle, en plus j'entendais rien de ce qu'il disait, mais à mon avis il n'était pas clair, et puis il commence à me dire comme si que ça le dérangeait, que j'étais habillée en noir, il trouvait ça ringard, stupide ou je ne sais quoi. Alors il n'y a plus de soleil, mais en fait il vient, il apparaît, réapparaît, il apparaît, il disparaît et tout. Et donc ce bouffon de bâtard de chauffeur de camion là, écoute, si tu écoutes ma vidéo, ouais, vous êtes tous condamnés. Ouais, alors après tu peux faire ton macho, hein, ton espèce de bâtard de reptilien dans ton camion de merde, hein, t'es pas content parce que je supporte très bien toutes les températures qu'il y a ici, hein, et que je tombe jamais malade comparé à vous, hein, t'es pas content parce que je m'habille différent comparé à vous tous, hein, t'es pas content, espèce de salopard. Le gars, il y a du soleil un peu par là, Brico Dépôt, vers cette route là national, et le gars il était en t-shirt courte manche, si vous voulez, dans son camion, et il avait le soleil dans la gueule, hein, il attendait au feu rouge avec son camion, il me voit passer, il me regarde comme ça, l'air de dire comme ça, il me parlait de loin comme ça là, vous voyez, et après il me fait comme ça, l'air de dire et après il me fait non, comme ça, l'air de dire franchement nettoyable, comment tu t'habilles, mais espèce de bouffon de reptilien, moi je m'habille comme je veux. Comme je veux, je fais ce que je veux. T'as pas. Hein? Ok? Au moins tu le sauras. Si t'écoutes ma vidéo, hein. Écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien ce que je dis. Hein. Ok? Hein? Si t'avais des couilles, t'aurais dû descendre de ton véhicule là. Hein? Tu voyais que je te regardais, que je te lâchais pas des yeux. C'est même ça qui t'a emmerdé. Je vais te dire. Parce que je voyais que tu me regardais, que tu me parlais comme un bouffon, comme un attardé de mental. Hein? Tu voyais que je te regardais. Pourquoi t'es pas descendu de ton véhicule pour régler tes affaires avec moi au lieu de le faire de loin dans ton camion en entendant le feu rouge et après démarrer quand c'est le feu vert? Hein? Si t'as quelque chose à dire, descends de ton camion et viens me voir. Ok? On va régler ça. Ok? Mais arrête de faire ton petit guignol, là, ton petit macho. Là. Hein? Parce qu'un gars qui s'exprime, il s'exprime devant moi. Tu vois? Si t'avais des couilles, tu l'aurais fait, tu vois. Si t'avais quelque chose à dire, si t'étais mécontent de me voir ou quoi, comme ça, tu vois, tu me l'aurais dit en face. Là, en face, face à face. Tu vois, tu serais descendu de ton putain de camion de merde, là, qui pue la merde. Hein? Tu serais descendu, tu t'aurais garé un petit peu plus loin. Je t'aurais attendu, crois-moi, je t'aurais attendu. Hein? Et tu serais venu me voir et tu me l'aurais dit en face. Et là, on verra comment ça se passe, ok? Si tu t'en sors vivant, du moins. Mais... Et à la base, la prochaine fois, au lieu de faire ton guignol dans ton véhicule, ok? Descends de ton véhicule, ok? Si t'as des couilles, c'est un homme, c'est un reptilien, comme on dit, ok? Descends de ton véhicule au lieu de faire ton gugus dans ton... Hein? Pour le moment, c'est, tu vois, là, c'est toi qui t'implantes, c'est pas moi. Ok? Espèce de chauffeur de mes couilles, de camion de merde. Retiens la date d'aujourd'hui, hein, je te promets, si tu vois ma date aujourd'hui, là, tu sauras que c'est moi. J'ai même marqué en gros titre, si tu veux, un camion, un chauffeur de camion reptilien qui m'ausculte, hein, de haut en bas,
ok, qui se frotte à moi sur la nationale de Brico-Dépôt, ainsi que la date, ok? Comme ça, tu le sauras. Sur ce, je vous laisse.